Un homme au volant d'une Mercedes avait été interpellé début mai alors qu'il rentrait d'Espagne. Au menu, contrôle en BEDA et découverte de 14 kg de cannabis par les douaniers au péage autoroutier du Boulou. Son procès aura pourtant tourné court puisque le tribunal de Perpignan, Pyrénées-Orientales, a décidé de le remettre en liberté. Pourquoi ? Car le Néerlandais était dans l'incapacité de s'exprimer devant le juge et aucun interprète n'a été trouvé à temps afin de traduire les explications de l'homme. La drogue aurait été oubliée par le précédent propriétaire ? Avant de passer devant le juge, l'homme interpellé avait expliqué, cette fois avec l'aide d'un interprète, qu'il ne savait pas d'où provenait tout ce cannabis et qu'il soupçonnait le précédent propriétaire du véhicule, qu'il avait récemment acheté, d'avoir oublié ses quelques kilos dans la voiture. Ces derniers étaient gardés bien au chaud dans une cache aménagée sous l'un des sièges. Le Néerlandais qui s'est montré surpris par cette découverte des douaniers a quand même avoué que l'ex-propriétaire du véhicule lui avait justement proposé de transporter des stupéfiants, ce qu'il avait vivement refusé. Il a été déféré et jugé en comparution immédiate, tellement qu'un interprète n'a pas pu être trouvé à temps et que l'homme a donc été dans l'incapacité de s'exprimer devant le tribunal. Son avocat n'a d'ailleurs pas manqué de souligner ce point et l'homme a tout bonnement été libéré. Il a sûrement déjà dû quitter la France depuis. Kaïna Boudjidja à voir aussi, quand Hollywood devient Hollywood pour célébrer la légalisation du cannabis. À lire aussi Adblock Test, why?